Non, pas du tout. 50%, évidemment, un chiffre en légère hausse, mais stable depuis 50 ans. Un Français sur deux. On a dit neutralité, on a dit neutralité, d'accord? Vous avez votre bagage, votre expérience, c'est très bien, mais aujourd'hui, on oublie tout. On va partir pour le premier exercice, le micro-trottoir. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1, c'est parti! Sur le terrain, vous allez sur le terrain, les filles. Regardez le terrain. Il est hostile, le terrain, il est dangereux, d'accord? Il y a des gens qui sont là, qui ont leur opinion. C'est cette opinion qu'on va essayer de débusquer. Et pour la débusquer, il va falloir savoir les questionner. 3, 2, 1, go, c'est parti! Allez-y, allez-y, stop! J'arrête deux secondes, les filles. Stop, vous êtes partis sans un truc très, très important. Vous êtes partis sans... Alors moi, j'ai aucun matériel. Vous êtes partis sans sujet. C'est génial, mais vous n'avez pas de sujet. Quel est le temps de concentration moyen d'un poisson rouge, à votre avis? 9 secondes. Absolument. Et d'un Français? 8 secondes. Tout à fait. Le central de notre société, c'est le savoir. C'est le connaissance. Une fois qu'on a su savoir et su connaissance, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que vous savez, le présent, il va très vite. Ok, ça commence sur le chapeau de roue, mais posons-nous une question essentielle. Est-ce que ça va ce soir? Yes! Ce soir, assurez-vous, mesdames et messieurs, il y aura du sang, il y aura de la peur, il y aura des larmes, il y aura des masques, il y aura des bombes, il y aura de la pandémie mondiale. Et tout ça, grâce à celles et ceux qui œuvrent nuit et jour pour nous tenir informés et qu'on n'applaudit pas assez, mesdames et messieurs. Ils ont été chahutés pendant les gilets jaunes, menacés par la loi sécurité globale. Ils ont été au front pendant le Covid. Je vous demande, mesdames et messieurs, ce soir, de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre personnel médiatique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Spécialiste de ces mouvements. Expert en terrorisme. Spécialiste du terrorisme. Monsieur, bonsoir. Merci, Michel.